Je suis à la station Afrique, le village africain des Jeux Olympiques, sur le stand de la Côte d'Ivoire, et je reçois Monsieur Kenneth Johnson, président de l'association Europe-Afrique et président de l'Organisation internationale du mérite. Bonjour Monsieur Johnson. Vous avez initié en 2012 à Londres un premier village Afrique, et à l'époque vous l'avez fait avec l'Ivoirien, le général Palinfo, qui était à l'époque président du comité ivoirien olympique et aussi président africain du comité olympique. Donc c'est la deuxième fois aux Jeux Olympiques qu'un village africain voit le jour. Ici donc on l'appelle la Station Afrique, et vous y avez été associé de près. Avant de vous poser quelques questions sur le village Afrique, j'aimerais vous demander, vous avez une particularité, vous décorez des personnalités au nom du Comité National Olympique Français. Vous décorez qui, de quoi et dans quelles circonstances ? Bien. Alors, nous avons décoré plusieurs personnalités au Comité National Olympique Français, à Charletti, Pierre de Coubertin, de longue date, je dirais depuis 2005. Alors, nous décorons du prix du fair play. Je suis moi-même membre du Comité National Olympique en ce qui concerne le fair play. Et l'Organisation internationale du mérite, qui a pour habitude d'inviter le président du comité Europe-Afrique, que je suis en personne, vient décorer, mais dans l'espace de l'Organisation internationale du mérite, qui crée des prix. Dans ces créations de prix, nous avions eu Bernard Hinault, nous avions eu Didier Deschamps, nous avions eu bien des personnalités que je risque d'oublier. De ces décorations, qu'est-ce que c'est ? Il permet de distinguer des personnalités qui, à travers les Jeux Olympiques, ont été médaillées d'or, plus souvent, ou des gens qui ont eu des gestes fair-play, comme des boxeurs qui pouvaient gagner certaines compétitions, mais si, par exemple, je dois tuer mon adversaire en gagnant une compétition et que je ne lâche pas le coup, je vais décorer cette personne du fair-play. Par exemple, aujourd'hui, Teddy Riner, qui a posté un texte magnifique sur son adversaire qu'il a battu en finale à deux reprises, il pourrait prétendre avoir le prix du fair play. Je vais vous dire très franchement, j'ai eu Teddy Riner au téléphone. Ce sont des sujets qui sont en cours. Teddy Riner ferait partie des personnes qui seront décorées sans rien trahir, tout comme Didier Deschamps, avec lequel nous trouverons une date pour cette décoration. Voilà. En tout cas, il a rendu un bel hommage à son adversaire japonais et ça a marqué les esprits. Vous l'avez dit, c'est un geste fair play, et comme vous l'avez vu, Teddy est une chance pour la France, comme tous les médaillés français qui apportent leur savoir-faire à la France, qui apportent cette façon de vivre ensemble, cette unité. Et la France, quand elle est unie, elle est plurielle, quelles que soient les origines, c'est cette France que nous aimons, et c'est pour ça que nous la décorons sans distinction de couleur. J'en reviens au village Afrique. Comment est venue cette idée de faire un village africain pendant les JO de Londres en 2012? Quel était l'esprit qui a motivé vous et le général Palinfo? L'Afrique regorge de talents, comme vous le savez. On voit depuis longtemps dans les courses ou ailleurs des joueurs dans le football, dans l'athlétisme, dans toute discipline, qui malheureusement manquent d'infrastructures dans leur pays. Et pour atteindre des résultats, il faut de l'encadrement. Et nous nous sommes dit, les Jeux Olympiques étant l'événement le plus médiatisé de la planète, il fallait un espace Afrique et un village Afrique. Et nous avions eu la chance à ce moment-là, comme vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Palinfo était le président de l'ACNOA, qui regroupe l'ensemble des comités nationaux olympiques africains. Donc cela, à ce titre, ils ont la légitimité et les moyens pour regrouper l'ensemble des pays qui souhaitent y participer. Et comme lorsqu'on fait quelque chose, il y a toujours des difficultés, et nous avions eu le soutien d'un homme extraordinaire qu'on ne peut pas occulter, puisqu'il nous a fait l'honneur d'ouvrir ce village.
Je veux parler de Monsieur Alassane Ouattara, qui a ouvert ce village à Londres en 2012. D'accord. Voilà. Donc j'étais très honoré de recevoir Monsieur Ouattara avec le président Paninfo. Et nous avions évidemment eu le Maroc et l'ensemble des pays qui étaient Mais à nos côtés. L'esprit, c'était de montrer un peu le savoir-faire et les cultures issues du continent africain. Quel lien vous faites entre le sport, les cultures africaines qui sont mises à l'honneur dans le village? Alors, il y a un volet économique aussi, il faut le dire. L'intérêt de mettre en place ce genre de village, on ne va pas se cacher que lorsqu'on profite de ce genre d'espace, on met en avant la gastronomie des pays. La Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays africains, ont des mets, malheureusement, qui sont inconnus parfois au nord ou qui méritent d'être plus connus. Tout comme aujourd'hui, nous... Aujourd'hui, tout le monde connaît la tchéké. La tchéké, bien sûr, la tchéké. La tchéké poisson braisé, personnellement, j'apprécie. Voyez. Donc, il y a certainement bien d'autres plats. Que, évidemment. Voilà, que je, ah, la cuisine est très variée. Merci. Comment est-ce que vous trouvez ce village 2024 qui est sur l'île Saint-Denis? J'imagine, bon, c'est le maire de l'île Saint-Denis qui en a pris l'initiative, mais vous y avez été associé. Oui, comme vous le savez, hein, le premier village que nous avons mis en place avec toute notre énergie et tous les moyens financiers que cela demandait, je pense que nous n'aurons pas pu le faire seuls. Nous l'avions fait, bien entendu, avec l'ACNOA, qui était d'ailleurs le porteur du village. Et le président Paninfo en était le président et M. Béraf en était le vice-président. Et je suis très heureux de vos annonces. M. Béraf, qui est aujourd'hui le successeur de M. Paninfo à la tête du comité africain olympique. Exactement. Et il faut souligner qu'il a été reconduit par le CIO, le comité international olympique, comme membre, il vient d'être réélu comme membre du comité international olympique. Et moi, je reviens à ma question ici, cette année 2024. Oui. Comment ça vous semble? Est-ce que c'est aussi bien? Est-ce que c'est mieux? Qu'il y a des progrès par rapport au premier village? Ce qui est montré, est-ce que ça vous plaît? Ça correspond à l'esprit que vous aviez quand vous avez créé ça? Ça correspond complètement. Je pense que le fait de pouvoir rassembler... des sportifs de toute origine mais aussi des artistes, des artisans, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant. Pour moi, c'est une réussite totale. C'est une réussite totale parce que dès lors que l'idée de ce village avait été annoncée, tout comme le premier, il y avait un certain afro-pessimisme qui avait tendance à gagner du terrain. Mmh. Donc quand vous voyez aujourd'hui on ne peut être que très heureux. C'est dans ce même lieu que nous avions annoncé avec M. Béraf, M. Moustapha, comme vous le dites vous-même, Béraf comme Mohamed, on parlait d'une même voix pour obtenir le succès de ce village que nous voyons aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être accueilli à ce stand de la Côte d'Ivoire où j'ai toujours plaisir d'y être. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, les Magic System ont fait un concert qui a été très remarqué. Je voudrais en venir à l'association Europe-Afrique. Dans quel esprit, à quelle fin a été créée cette association que vous présidez? Alors, ce n'est pas un secret. Au début, les relations France-Afrique étaient des relations séculaires. Comme vous le saviez, le comité Europe-Afrique était domicilié à l'Élysée. Donc il a été créé par, disons, par le chef de l'État du moment qui était qui, Jacques Chirac? Le comité Europe-Afrique existait déjà sous Mitterrand. Ah, sous Mitterrand. Voilà, j'ai commencé à être utile au comité Europe-Afrique sous Chirac en effet. C'est vrai que ce comité étant l'Élysée, les moyens financiers qui étaient donnés pour faire fonctionner ce comité étaient des moyens, on va dire, qui étaient particulièrement étatiques. Voilà. Ouais, public, on va voilà. dire. J'ai souhaité que ces moyens deviennent partagés. On parle de relations Nord-Sud. Donc, j'ai donné une autonomie à ce comité, en prenant tous les risques financiers, sous Jacques Chirac. Alors évidemment, j'ai eu la chance d'avoir été nommé
Je fus le bras droit du médiateur de la République française, Bernard Stasi. Donc l'objectif était à la fois d'accompagner nos États à renforcer les démocraties. Donc il y avait un volet qui ne pouvait être que utile. Donc cette association, au départ, elle avait cet objet-là. Hein, oui, cet objet qui était de favoriser le développement des États africains, de favoriser l'échange. Mais aussi le développement démocratique. Le développement démocratique, je pense que c'est indispensable. On ne va pas aller investir dans un pays si nous ne sommes pas certains que l'investissement soit sécurisé. Mais qui sont les membres de l'association? Les pays membres sont souvent déjà des États. Donc nous avions fait la première réunion de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UMOA, à Paris. C'est la première fois que nous avions réuni les 8 ministres des Finances. C'était sous ma présidence. Et ça a été un succès. On a vu des taux de rentabilité que les entreprises pouvaient avoir, sans les citer, en allant sur l'Afrique. Certains grands groupes français font 90% de leurs chiffres en Afrique. Et on peut les deviner, et les gens oublient ça. Alors, je pense que ce qu'on doit dire aujourd'hui aux Africains, c'est d'aller vers l'industrialisation et d'amener des produits finis. On ne peut pas prendre des produits en Afrique et venir les finir au Sud. Ça, c'est sûr que c'est un manque à gagner pour le continent. Mais là, aujourd'hui, effectivement, et en tout cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le cas, il y a une politique d'industrialisation et pour justement transformer sur place les produits sur place. C'est le but. C'est parfait. Je crois que la Côte d'Ivoire... C'est le but. Et donc, il y a du conseil, il y a de l'expertise. Est-ce que quelquefois, l'association peut avoir un rôle plus politique? Oui, dans le cadre, par exemple, de l'obtention des Jeux Olympiques 2024 sur lesquels nous sommes, nous nous battons pour l'obtention des Jeux de Paris 2012. J'étais moi-même aux côtés de M. Baudillon, qui était le directeur de la candidature de 2012. Vous vous souvenez que même la reine d'Angleterre disait que Paris avait un meilleur dossier, et nous avions été très mauvais sur le finish. Oui, donc Paris a pris depuis, a terminé son lobbying, et je crois que nous avions eu la chance. Nous sommes partis avec un paquebot, qui est quand même un beau bateau, qui s'appelle le Queen Mary, sur lequel nous avions réuni les plus grands champions du monde en mer, François Gabart et bien d'autres. Nous avions fait une course pour l'histoire, sur lequel nous avions réuni les plus grands communicants, les meilleurs qu'on pouvait réunir à ce moment-là. Dans leur spécialité, tout à fait, pour le finish. Et nous sommes partis justement aux États-Unis, puisque nous étions en compétition avec Los Angeles pour finir. Alors, comme vous le savez... Cette fois-ci, donc, vous avez été meilleur sur le finish. Nous avons été meilleurs sur le finish cette fois-ci. Et comment vous trouvez ces Jeux Olympiques qui sont bientôt terminés, en tout cas pour la première partie, puisque dans quelques semaines vont débuter les Jeux paralympiques. Cette première partie des JO, comment vous la trouvez, aussi flamboyante que ce que vous l'aviez rêvé? Nous avions annoncé avec Denis Masséglia, qui était le président du comité olympique national français au moment où nous obtenons ces Jeux, que nous voulons faire rêver les Français, que nous voulons les réunir. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un pari gagné. Personne ne comptait sur nous pour obtenir autant de médailles. On disait, oh, ils ne vont pas rentrer avec grand-chose. Quand vous voyez aujourd'hui, je crois, nous sommes environ 55 même, hein, médailles. 54-55. Voilà. Ouais. Donc, je pense que... Et puis, cette idée de faire les Jeux dans la ville, dans Paris. Dans la ville. C'est ça qui a marqué les... Dans la ville, de faire des Jeux qu'on voulait inclusifs. Je pense que, pour une fois, on peut dire que tout le monde participe à ces Jeux. Tout le monde participe à ces Jeux. Et bien sûr, je pense qu'il est très important de penser que le moment de ces Jeux, c'est un moment de grand rassemblement. Et quand la France est unie, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable, et cette France, c'est quand nous sommes ensemble dans la même direction, dans la fraternité, que nous y arrivons. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci, Monsieur Kenneth Johnson. Votre enthousiasme, pardon de l'avoir un peu coupé dans votre élan, mais c'est la fin de cette émission. Merci pour vos explications, et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a découvert et appris des choses aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Je remercie infiniment.